Au moins 6 pays du continent européen ont enregistré une augmentation record du nombre de cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures. La Russie, la Suisse, la Pologne, l'Autriche, la Lettonie et l'Estonie ont tous confirmé avoir enregistré leur plus grand nombre de nouvelles contaminations à ce jour. La Russie, qui occupe le 4e rang mondial des contaminations, a dénombré plus de 18 000 nouveaux cas de Covid-19, tandis que les autorités suisses ont annoncé un nombre record de 10 043 cas de nouveaux coronavirus. En Italie, à partir de ce vendredi, 4 régions seront partiellement confinées, le gouvernement s'efforçant de reprendre le contrôle de la pandémie. Le gouvernement italien tente d'éviter un arrêt complet à l'échelle nationale pour préserver tant bien que mal son économie et introduit à la place un système à 3 niveaux en fonction du risque. La Lombardie, le Piémont et la vallée d'Aoste dans le nord, ainsi que la Calabre au sud, ont été placés en zone rouge, ce qui signifie que les gens ne pourront quitter leur domicile que pour le travail, des rendez-vous médicaux ou des urgences. Entre-temps, Chypre est devenu le dernier pays à annoncer la mise en place d'un couvre-feu pour lutter contre une résurgence de l'épidémie. L'île a connu une augmentation du nombre de cas de Covid-19 ces dernières semaines. Un couvre-feu sur les déplacements de 23h à 5h du matin commence ce jeudi et restera en vigueur jusqu'au 30 novembre.